Ah. Oh non, oui. C'est dommage, c'est dommage. Ah. Oh non, oui. C'est dommage, c'est dommage. C'est volé. C'était déjà la même question.
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants. Nous confions le pape François, notre évêque, nos prêtres, les diacres, qu'ils soient de vrais témoins de ta parole, qu'ils se laissent éclairer par l'Esprit Saint pour mieux transmettre la foi. Ensemble, nous te prions. Qui est en train de téléphoner au bon Dieu pour faire partie des gens. Jacques, le curé avec son téléphone, qui fait des photos. Et bien, la création. Dans
le récit de la Genèse, eh bien, on nous raconte comment Dieu a créé le monde. Alors, c'est un récit symbolique, mais qui rattache chaque être vivant à Dieu. Chaque cheval, chaque chien, chaque animal, comme nous tous, ils sont avec nous, la création divine, celle dont nous avons à prendre soin. Si le monde pouvait prendre soin autant de la création et de cette terre, ils ont aussi eh bien, toute notre bénédiction et notre affection. Allez, bonne balade, hein. Merci. Merci. Ah ouais, mais là on peut pas. On est coincé, là on peut pas. C'est le journal observateur. Vous avez un chien, là. Hein. Oui, mais... Et vous, ne l'oubliez pas, il tire la langue. C'est normal. C'est normal. Mm-hmm.